Voilà. Bon, ici, j'y suis allé l'hiver, belle saison, mauvaise saison. Elle est libre. Voilà, la voilà à droite. Il peut se recharger qu'une voiture à la fois. Et ce qui est bien maintenant, c'est que les gens ont pris conscience, ils monopolisent pas ou rarement les bornes. Donc là, je fais une pause et puis je vais préparer tout ça. Donc voilà. Prise CHAdeMO, celle-ci. Prise CCS Combo, comme je les ai montrées sur les bornes Tesla. C'est la même chose. Hein. Voilà. Et prise type 2, celle qui nous concerne, à 43 kg maximum. Exactement ce que peut absorber la Zoé moteur continental. Donc, je branche la borne, le câble est fourni, tac, c'est verrouillé. Voilà, impeccable. Avec charge map, ça a marché tout de suite. Ça m'a demandé. Une fois que j'ai passé le chargemètre devant le lecteur ici, ça a détecté la carte, ça va très vite. Le type de borne, le type de prise que j'utilise, donc c'était ici, AC43, c'est marqué. Vous appuyez là, vous confirmez ici, star. Comme la prise est déjà connectée, c'est parti. Voilà. Alors comme la batterie n'est pas beaucoup utilisée, ça va pas charger plein pot. Hein. Voyez donc 119%. Ça va quand même plus vite que sur l'autre borne dans la limite de l'aube là, ma dernière vidéo. Il y a plus d'une heure et là 50 minutes. Ah, 50 minutes à 100%. Hein. C'est beaucoup moins jusqu'à 99%. Il y a déjà 5 minutes de moins. Bon, voilà. Maintenant, on a qu'en sous les yeux. Donc la borne peut délivrer quasiment 41 kg. Wow, ça c'est excellent. La voiture 13.2, bah, je suis étonné parce que vu le peu d'énergie que j'ai utilisé, elle charge quand même bien. Vous voyez, elle est loin des 41 kg. Hein. Elle préserve la batterie, c'est normal. Donc 281 km. Donc ça y va bien. Donc ici, il y a Saint-Florentin. Saint-Florentin, ça marche bien. 27 degrés, ça monte. Wow. Ça serait donc en théorie 359 km à 100%. Oh bah dis donc, excellent. Bon, ça va encore évoluer. 93%, 335. Vous vous rendez compte? C'est même pas la peine d'attendre jusqu'au bout. Hein. Ah tiens, ça y est, c'est réajusté. 97. Oh là là. Vous voyez, de 98 à 100%, il n'y a que 4 km d'écart. C'est pas pour ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre les 100%, vous allez attendre une plombe. Je ne sais pas si on voit bien. Non. Normalement, oui. Avec le soleil, je ne vois même pas l'écran. L'écran du caméscope. Donc 360 km. Ah ouais, hein. Ah, ça va vite. Ah, s'il pouvait y avoir que des bornes comme ça, you know. Voilà, donc j'en ai fini avec
aujourd'hui pour ce trajet, je vais repartir une fois rechargé un petit peu. Mon temps est calculé en fonction de ce que j'ai à faire, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à visiter ma chaîne, hein, puisqu'il y a plus de 120 vidéos maintenant, pour ceux qui découvrent, hein, pour les nouveaux abonnés, ou ceux qui découvrent la chaîne, qui hésitent à s'abonner, n'hésitez pas surtout. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les faire. Bien entendu, c'est ce qui fera avancer les choses. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.